grand jeu Made in Maurice vous est présenté ce soir par Benjaved. Mesdames et messieurs, amis de Maurice et de Rodrigue, bonsoir et merci de nous retrouver pour le grand jeu Made in Maurice. Deux équipes, et pas n'importe quelle équipe, je vais vous les présenter dans un petit moment, vont s'affronter pour tenter de remporter une vitrine de produits 100% Made in Maurice. Regardez plutôt. La vitrine de ce soir est composée de plus de 25 produits Made in Maurice. Cette vitrine est à gagner par l'équipe rouge ou l'équipe verte, que le meilleur gagne. Et vous qui nous regardez à la télévision, vous pouvez aussi tenter de remporter une vitrine de produits 100% Made in Maurice en jouant sur le jeu SMS. Suivez les instructions sur la MBC. Alors, pour cette première manche, Maurissimo, deux équipes vont s'affronter et répondre à 8 questions. Il va falloir marquer le maximum de points. Et qui sont ces deux équipes? C'est des célébrités qu'on reçoit ce soir et qui jouent pour la fondation Lovebridge. On va les découvrir tout de suite. La première équipe, l'équipe rouge. Bonsoir. Bonsoir. Les gens qu'on ne présente plus, bonsoir Miss Dan. Bonsoir Eric. Bonsoir. Allez, un petit mot pour ça l'émission là avec sa fondation Lovebridge qui se fait jouer tantôt aux autres histoires là. Vous nous fait découvrir. Vous êtes fait découvrir en même temps. Vous êtes premier jeu télévisé ensemble. Ensemble, premier jeu télévisé, oui. Une des as, oui. Mais jeux, la télévisée, oui. Ah, merci. Ce soir, vous jouez pour la fondation Lovebridge et merci de votre présence ce soir. Le principe de la première manche, Maurissimo, il y a une série de questions, un quiz, low Maurice, et vous allez répondre correctement le plus rapidement possible. Le but du jeu, marquer le maximum de points. Chaque bonne réponse pourra pour vous 10 points. Et pour chaque question qui peut poser, vous pourrez des possibilités de réponse. C'est clair? Clair. Allez, sans plus tarder, on va jouer à Maurissimo. Et vous aussi qui nous regardez, vous pouvez vous préparer parce qu'on va démarrer cette première manche, Maurissimo, et c'est tout de suite. Où peut-on visiter la terre des sept couleurs? Est-ce à Chamarelle ou à Chamonix? À Chamarelle, bien sûr. Deuxième question, quels sont les trois premiers mots de la version officielle de l'hymne national mauricien? Est-ce Glory to you ou Glory to thee? Glory to thee. Glory to thee, bien sûr. Réponse qui s'affiche à l'écran. Troisième question, laquelle de ces variétés de sucre ne provient pas des cannes de Maurice? Le Demerara ou le Mussolino? Là, qui vous dire, moi au pif. Au pif, pas fond, pas une bonne réponse. Demerara ou le Mussolino? C'est le Mussolino, italien, ça. Dis-le, tu sais. Je connais une santé italien, appelle le Mussolino, vous voyez ça? Pas connu, qui cette réponse, alors? Mussolino, Mussolino. Lui dire Mussolino, là, nous check un coup. Sur l'écran, c'est le Mussolino, et c'est la bonne réponse. 10 points supplémentaires pour l'équipe rouge. Quel est le nom de l'écrivain du célèbre roman Paul et Virginie? Est-ce Bernardin de Saint-Pierre ou Saint-Exupéry? Bernardin de Saint-Pierre. Bernardin de Saint-Pierre, vérification, et c'est la bonne réponse. On joue à Maurissimo. Selon vous, quel doigt est représenté dans le logo du Made in Maurice? Check bien, hein? Allez. Index ou le pouce? Logo là, c'est des azotes, ni des bons azotes aussi? Pouce. Le pouce? Ouais. Le pouce, bien sûr, parce qu'il a nous l'armé là-dedans. Le pouce! Avant-dernière question, dans les années 1940, quel célèbre artiste chante Anita Resté do mi de vos baba? Grand classique du Sega mauricien. Est-ce Tiffré ou Serge de Brasse? Attention la, là. La musique. Question musique, Lisa répond. Allez, allez, pas bon, ça craint ce domaine. Anita Resté do mi, que je veux dire? Dis-toi. Tiffré, c'est déjà Tiffré? Ouais. Si, elle a? Vous n'avez pas besoin de réponse? Non, mais Miss Dan. De vérifier? Et c'est bien Tiffré, bien sûr! Bon. De quelle couleur apparaît le dos du dodo sur les armoiries de Maurice? Alors, les deux dodos là, est-ce qu'il est vert ou bien est-ce qu'il est dodo là, il est rouge? C'est niaise, c'est l'Oban armoirie de Maurice, hein? Ouais. Il y a un petit logo qui représente Maurice, t'as un peu partout? En tout, on connaît. Allez, hein? Est-ce qu'il est vert ou il est rouge, les deux dodos là? De là, c'est les deux. Ça veut dire. Il vous guette moi les dos. Il check moi les dos après Lydia. Il guette les dos, allez, Lydia. Il te tient, toi. Une réponse, on aura besoin d'une réponse. On ne va pas connaître. Allez, par contre. Donnez une réponse quand même. On a juste des choix, là. Dis-moi, rouge. Dis rouge. Allons vérifier. Et c'est la bonne réponse. Dis rouge, c'est la bonne réponse.
Attention, comment s'appelle le tropique sur lequel est située l'île Maurice? Est-ce qu'il nous donne tropique Capricorne ou bien dans tropique Cancer? Miss Den, Eric? Non, tenez Miss Den avant. Alors, l'équipe rouge, qui cette réponse? Est-ce qu'il sait réponse A, tropique du Capricorne, ou réponse B, tropique du Cancer? Qui sait dire? On apprend tous les deux. Moi, je suis mopé tout ça, tous les deux, tu as baladé. Je vais trouver l'un, comme ça, nous étions un peu là, dans le mapmon, là, je vais trouver. Ouais. Bon, bah écoute, vous prenez encore une copie, le tropique du Capricorne, moi, par contre. Je dis tropique du Capricorne. Je dis ça, ouais. Moi qui vais dire ça, là, vous allez prendre la sauce. Prends la sauce. Vérification, tropique du Capricorne, et c'est la bonne réponse. Merci, Idel. Pour cette première manche d'équipe rouge, je vais me faire coton plein. 80 points déjà pour vous. Wow. On peut les applaudir. Merci. L'équipe verte, qui nous vous découvert, Astéala, célébrité qui nous connaît. Bonsoir, mamie Michel. Qu'est-ce qu'on va parcourir? Parce que double stress. Double stress? N, attention, fait vilain, pas qu'on ne réponde une question. D, l'équipe rose, il répond toutes questions. Non, mais une question, pas difficile, hein. Bon, m'espérer. Mamie Claude? Mamie Claude, non. Hein. Ton Simon? Ton Simon. Ton Simon, tu me réponds? Ça commence bien. Allez, on voit là-dessus. Allez, ton Simon, tu correct? Ça va, bien merci. Content, là, ici, dans l'émission Made in Maurice. Comme dit Cosé, produit mauricien même qu'il a. Mais il a des produits bien mauriciens, là. Bien hein. Mauricien même. Vous êtes confirmé? Oui, 100%. Oui. Des 100%. Allez, right. Vous êtes pareil pour Gémorissimo? Oui. Mais nous, quand même, dit que je suis un peu pareil que moi, maintenant. Écoutez, maintenant, c'est un avantage, c'est que je ne finis qu'on comprend comment le principe du jeu se fait. Pareil. Larguez-nous, allez. Je vais rester avec vous. Première question qui va s'afficher sur l'écran. Quel poisson est pêché et mis en boîte à Maurice? Est-ce le thon ou le saumon? C'est le thon. Oui. Qui est-ce que thon comme ton Simon. Ton Simon. Comme ton Simon, nous viendons écouter. C'est bien le thon. Pas Simon, mais c'est bien le thon. Allez, d'après vous, quel bouillon peut être chinois, cresson, giromont, songe ou bien autre? Est-ce qu'il y a un bouillon mifoun ça ou bien un bouillon bret? Qui se dit? Ton Simon. Hein, qui vous dit un bouillon? Moi, un bouillon chinois, cresson, giromont, songe ou bien les autres calques? Ben, je nous guette bien là. Hein? Chinois, cresson, giromont, songe, mais bouet nous veut dire. Normal. Vous guette un bouillon bret? Oui, mais bouillon songe, c'est le moment pas si, non, ça, mais parfait, non, il y a quand même. Nous guette un coup, vous vérifiez? Un bouillon bret! Troisième question, selon vous, où était le kiosque d'animation Made in Maurice à la fin du mois d'août? Kiosque d'animation à la fin août, Côte-Pitié, Super U Grand B ou bien Intermode Bagatelle? Ça, tout en Simon, pourquoi on répond ça? Je n'ai pas fait un détour de mon centre commercial, Côte-Pitié. J'ai fait un mais là, ça. Un joli petit kiosque qui met en valeur un produit bien mauricien, 100% Made in Maurice, Côte-Pitié, Super U Grand B ou bien Intermode Bagatelle? Tu peux hésiter là, moi, les sous-mêmes, mais Michel, qu'est-ce que tu fais là, on va dire? Moi, moi, tu peux l'aider. Moi, tu peux dire Super U Grand B, mais moi, pas connaissez bonne raison. Alors, vous allez dire N, c'est moi là. Oui, Super U Grand B. Moi, pas connaissez ton Simon, d'accord avec moi? Bagatelle là, tu peux dire moi qui te oui. Là, mais seulement. Tous les dés bien fréquentés. Un petit godon, un petit godon, ton Simon. Allez. Un petit godon. Grand B. Grand B? Vous maintenez Grand B, vérification, il y a un Intermode de Bagatelle. Aïe. Mais c'est pas grave. Il y a une prochaine question, allons voir comment s'appelle l'héroïne du livre de Bernardin de Saint-Pierre. Virginie ou bien Valérie? Ouais. Que veux dire? Là, sans une hésitation, là, ton c'est bien sûr. Oui. Je dis ça comme, à l'époque même. Virginie! Virginie, c'est la bonne réponse. Allez, Virginie! Quel village de l'île fut nommé en l'honneur de Labourdonné? Est-ce Maïbourg ou Bélair? Maïbourg comme Maé. Comme Maé, Labourdonné. Et bourg pour dire ville ou village en français. Oui, voilà. Village de Labourdonné, vérification. C'est bien Maïbourg et bonne réponse! Voilà. Prochaine question dans Mauricimo. Qui gouverna l'île de 1735 à 1747? Était-ce Robert Farquhar ou Maé de Labourdonné? Check date là bien, 1735-1747, t'as la période là que dans géographie, à l'époque de l'école, moi. Ouais. L'air qui tu peux faire géographie là, vers mon quoi, 2h30, 3h, quoi là.
Moi, tu peux suivre classe, dis tout ça, les gars, là, moi. Et classe disco, tu peux suivre classe disco. Tu as bien dit ça avant. Là, il y a un petit peu. Bon. Ban français, il est arrivé en 1715, par là. Et Zotina allait en 1810. Ah. Donc, en principe, bizarre, il est abandonné, il m'a pensé. Pensez maille de la bouche. Ah, moi, mon esprit de vie à travers. Arrivé, ça aussi, hein. Arrivé, ça aussi. Oui. Est-ce que c'est bien maille de la bouche, donnez votre réponse. Oui. C'est maille de la bouche, donnez, bien sûr. Quel château? Là, on va chercher un château qui se situe dans le jardin des Pamplemousses. Ou château Mon Plaisir, ou bien château Mon Désir. Tu es des trous, Maurice, hein. Mais lesquels de ces châteaux-là trouve dans le jardin Pamplemousses? Mon Plaisir ou bien château Mon Désir? Crois-lui Mon Plaisir, ça. Oui, oui. Mon Plaisir. Je vais vérifier un coup si c'est bien le château Mon Plaisir. Oui. C'est bien le château Mon Plaisir. Allô, là, demande l'endroit. Je te demande l'endroit, Maurice. Lequel de ces endroits n'existe pas à Maurice? Longbois ou bien Grosbois? Longbois, là, ça m'a mis en désordre, Simon. Pénin, ça. Pas existe, ça. Pas existe, ça? Non, Longbois, Pénin. Longbois. Vous avez dit Longbois, pas existe? Ouais. Longbois, pas existe. Anouche, écoute, Longbois n'existe pas, effectivement. C'est Grosbois qui existe. Et pour le moment, vous avez un score de 70 points. On peut applaudir à l'équipe verte, s'il vous plaît. L'équipe verte, vous n'êtes pas loin du tout, hein. 70 points, vous n'avez qu'une réponse de retard. Alors, ça, jeu-là, consistait de 3 manches. La première manche étant terminée. Une petite appréciation, là? Donnera-t-elle une petite question, mais pas grave, ça, hein. Pas grave, ben, l'ambiance correcte. Oui. Hein. Ben, nous continuons jusqu'à la fin. De toute façon, on va rattraper, là, hein. Maurice a dit, tant qu'elle a la vie, elle a l'espoir. Mais nous allez. Non, allez même. Et là, dès les autres manches à suivre, et vous avez tout le temps de rattraper l'équipe rouge qui est en première position. On peut les applaudir, l'équipe rouge, hein. Quand on plaint dans première manche, un petit commentaire, les autres là, je mets en tête là, hein. Tout on répond juste à l'air. Une naissance. C'est une naissance. Nous avons beaucoup la prière avant de venir à Madala. Oh, bah ouais. Oui, oui. Tant qu'on met ça, on respire pour nous. Nous piffons pas. Alors, vous qui nous regardez à la télévision, si vous voulez vous entraîner au jeu Morissimo, c'est très simple, il y a une boîte de jeux disponible où vous pouvez vous entraîner. Ben voilà, il y a des questions dedans et aussi vous entraîner pour le grand jeu Morissimo. Vous savez comment faire? On va maintenant passer à la deuxième manche du grand jeu Made in Maurice. Ça s'appelle l'anagramme Jingle. Alors, pour cette deuxième manche du grand jeu Made in Maurice, nous allons jouer à anagramme. Vous allez jouer en même temps les deux équipes, une série de lettres qui ne mélangeaient. Et dans sa manette-là, il va falloir trouver la marque qui se cache derrière. Une marque, bien sûr, Made in Maurice. Allez, nous allons jouer à l'anagramme. Regardez bien l'écran qui s'affiche devant vous. Il y a les lettres qui sont mélangées avec C-H-Y-M-P-A. Il y a une marque 100% Made in Maurice qui se cache derrière. C'est quoi la marque? Vous êtes moqués les autres tablettes, hein? Vous êtes moqués les autres tablettes? Si je ne finis trop la marque, moqués les autres tablettes. Le temps est écoulé. Oui, c'est vrai. L'équipe verte, votre réponse? Non, rien trouvé jusqu'à présent. Rien trouvé? Non plus. L'équipe c'est rouge? Robert Rodet. Si, champi. Hein? Champi. Champi. C-H-A-M-P-Y. Oui. Vérification tout de suite. Champi, c'est oui. Bien la bonne réponse et c'est l'équipe rouge qui marque. Deuxième anagramme. Regardez bien l'écran. Les lettres sont mélangées. Alors, je vous donne un petit indice. C'est 3 mots. Hein. C'est pas un seul mot, c'est 3 mots. Oui. Qui compose cet anagramme? Manque-lui nos autres tablettes. Oui. Le bouquet de réponse. Et donc, à peu près 5 secondes. Manque-lui nos autres tablettes. Alors, l'équipe rouge, est-ce qu'il oui. Nous carguette cette tablette? Montrez-y à la caméra, s'il vous plaît. Vous êtes bien nous. Mauritius Commercial Bank. L'équipe verte. Mauritius Commercial Bank. Montez à la caméra, s'il vous plaît, mamie. Pardon. Voilà. Est-ce que c'est la bonne réponse ou pas? C'est la bonne réponse. Je vous rappelle que chaque anagramme va vous rapporter 10 points si c'est la bonne réponse. Troisième et dernier anagramme, check sa manette là, S-R-Y-P-A-K-O-P. Le temps s'écoule, c'est parti. Il va falloir écrire sur votre tablette la marque qui se cache derrière, une marque 100%. Made in Maurice, bien sûr. Quelques secondes pour répondre à ça. Allez, moquez vite. Le temps est écoulé. Est-ce que l'équipe verte a une proposition à nous faire? Non, une fellow là, mon gros. Une fellow là? Oui, père Briti, trop beaucoup l'être ensemble. Capable de vous découvrir à Banmok, qui je ne connais, même fait un de Maurice. Hein. Est-ce que l'équipe rouge a quelque chose à nous proposer?
en cours de réflexion. Non, mais c'était temps, il finit, là. Ouais, mais Sam qui va... On peut rôder même, là. Oui. Pas de proposition. Mais si avant tes spectacles, il finit trouvé, mais nous, on peut caler même. Si vous n'avez pas trouvé, je vous invite à découvrir la marque qui se cache derrière cet anagramme. Merci pour l'invitation. Sac qui prouve. C'est les sacs poubelles, 100% Made in Maurice. Eh ben voilà. Rien n'est perdu, 80 points pour l'équipe verte, qui a 20 points de retard sur l'équipe rouge. Tout est possible, hein, messieurs, dames, tout est possible. Il y a la troisième et dernière manche qui nous attend, et ça s'appelle le carrousel des marques Jingle. Alors, dans le carrousel des marques, nous allons faire appel à la mémoire de nos candidats, les célébrités ici ce soir qui jouent pour la fondation Love Bridge. Et pour cela, dans un petit moment, un carrousel de marques va défiler devant vous. C'est quoi exactement? Mais prenez une série de marques là au l'écran. Je vous disais, dans maximum les temps, guettez comment je peux faire pour maximiser votre mémoire, utiliser votre mémoire, pour qu'après rappelle tout ça de marques. Il y en a 15 marques qui vont apparaître sur l'écran et sur votre tablette. Vous allez devoir écrire le maximum de marques que vous avez retenues. Des marques, bien sûr, 100% Made in Maurice. Mettez votre tablette en bas, s'il vous plaît. Le bout d'une goulala. Mettez votre tablette et posez la feuille, mamie. Voilà. Et on va regarder en même temps les deux équipes, le carrousel des marques. Si vous êtes prêts, 3, 2, 1, top, regardez. Je vous rappelle qu'on est à la troisième manche du jeu Made in Maurice. Et personne n'écrit pour le moment, là. Hein. Personne n'écrit pour le moment. Ok. Ouais, On a écrit. On a écrit. Pas bien expliqué. Eh, mais bien expliqué, tablette en bas, feutre en bas. Hein. Non, mais tiens, go. Allez, refaire. Allez, on reprend. Au top, vous prenez feutre et tablette pour essayer. Marque close de tablette. Maximum marque qui vient de trouver défiler dans sa carrousel. Ok. Prêt? 3, 2, 1, top. À vos tablettes, c'est parti. Allez. Je vous rappelle qu'on est à la troisième et dernière manche du grand jeu. Made in Maurice. Où deux équipes de célébrités sont en train de s'affronter ce soir et ils jouent pour la fondation Love Bridge. Quelques secondes qui vous restent pour essayer de retenir les maximums de marques qu'ils ont trouvé affichées dans sa carrousel de marques là. Et attention au temps, 3, 2, 1. Top, le temps est écoulé, on pose les feutres. Merci, je peux avoir votre tablette s'il vous plaît. D'après ce qui m'avait trouvé, plus que d'autres qui que nous là. Alors, il y a 3, 4, 5 moques. 5 moques là. Vous avez gagné 7 au moins, non? Non. Allez, laissez vérifier, je vais récupérer les tablettes. Alors, ici, nous avons 1, 2, 3, 4, 5 moques. Regardez, écoute. Bonne moque là. Est-ce que c'est les mêmes moques que vous avez trouvé? Pas trop bonne même moque là. Hein. On va vérifier et revenir avec le score dans quelques instants. On va repasser le carrousel des marques pour découvrir plus lentement cette fois-ci les marques et on va compter les points en même temps pour l'équipe verte et l'équipe rouge. On repasse le carrousel, regardez. Il y a la MCB. MCB, ils sont des deux côtés. Vital, il y a pour l'équipe verte, pas pour l'équipe rouge. Dacry Carton, personne n'a mis. Cozy Bag, personne n'a mis. Coton des îles, personne. Perona, personne. Altesse, personne. Si. Altesse, c'est l'équipe verte. Oui. La Tropicale, personne. Moroil, l'huile fabriquée. Amaurice, personne. Pardon. L'équipe rouge a bien marqué Moroil. Permoglaz, personne. Oxenham, pour l'équipe verte. Et pas pour l'équipe rouge. Eudor, il y avait Eudor avant. Bah oui. Eudor avant, c'est pour l'équipe rouge. Et l'équipe verte aussi, Eudor. Oxenham pour l'équipe verte, pas pour l'équipe rouge. Vis-à-vis pour personne. Cernol, c'est pour l'équipe rouge. Tully,
personne. Pongo, personne. Miko, personne. Lotus. Donc nous avons l'équipe verte qui a Vital, Eudor, Altes, Oxenham et MCB. Donc 5 bonnes réponses. Et l'équipe rouge qui fait un carton plein avec 5 bonnes réponses. Bravo. Oui. Nous allons découvrir le score final cette fois-ci. On va se diriger vers l'équipe verte. 120 points, vous êtes à la deuxième place et on peut les applaudir, s'il vous plaît. Hein, merci. Ton Simon, mamie, a une petite réaction après sa premier jeu télévisé, le grand jeu Méline Maurice. Depuis une semaine, tous les jours, je peux apprendre une passe histoire Maurice, une passe géographie, une passe politique, une passe agriculture. Et mais je suis bien content que Miselaine avec Eric Finn remporté parce que finalement le gagnant c'est Love Bridge parce que nous tous nous pouvons jouer pour cette association là pour Love Bridge et à part d'un produit made in Maurice, je suis capable de faire bien mal élevé demander un cadeau, mais je suis capable de demander un cadeau de la part de Love Bridge. Nous capables, maman dit. Alors, c'est que Love Bridge bizarre. C'est ban accompagnateur, ben. Ban accompagnateur pour ce projet-là, parce qu'il y a un projet pour ban dimoun qui vivent sous le seuil de la pauvreté. Et ce méthode, c'est gagner un travailleur social, un bénéficiaire avec un accompagnateur pour faire une cellule pour qui l'accompagnement, le soutien et l'encadrement deviennent bien efficaces. Donc, autant d'accompagnateurs, ben, formidable pour Love Bridge. Et merci, Made in Maurice. Ils permettent ce jeu-là en faveur de Love Bridge. Mais bravo. Ton Simon. Ah, Malina. Malgré pas de poursuivre, pas de classe, comme on a dit, la géographie, là. Une récit débrouillé. Une récit débrouillé, d'une manière, ben, loin une petite question dans le moyen coup, ben, c'est le jeu qui nous vous fait. Ben, nous bien contents de nous participer. Nous bien contents de nous faire au moyen, nous causer un petit peu. Bien longtemps, on va tout, Mylène, Miselaine. Ça fait appel belle l'époque. Ben là nous venons là, nous rejoignons, nous faisons un petit quorum, comment nous dire, nous causons un peu, nous rions un petit ben, joli moment de passer avec toute l'équipe Made in Maurice. C'est Van Dimon qui, comment dire, a eu l'occasion pour venir sur ce plateau là. Vini mon nom. De toute façon, même à la deuxième place, vous ne repartez pas avec les mains vides, vous allez repartir avec un lot de produits que vous allez remettre à Love Beach, de produits 100% Made in Maurice. Et on va vous applaudir encore une fois. Merci. Bon, je parais bien stressé au départ. Et finalement, avec 140 points, vous êtes à la première place, hein, l'équipe rouge. Mais vas-tu n'apprendre comme Marie-Michel? Dis tout, vas-tu me voir? T'as pas apprendre qui est comme ça, là? Pas apprendre comme ça. C'est moi qui me faire mon raté avant de comme tu as encore mes pieds à l'école. Je ne pas apprendre à l'examen. Eric? Mais si, Miss Dan. Attends-toi! Menti. Non, travail d'équipe. Avec la chance. Avec la chance, tu félicitations donc à l'équipe rouge, Eric et Mizen, 140 points. Vous repartez avec cette magnifique de produits, cette magnifique vitrine de produits 100% Made in Maurice que vous remettez bien sûr à la fondation Love Bridge. Félicitations donc à l'équipe rouge qui remporte ce grand jeu Made in Maurice. Merci à vous qui nous avez suivis pour ce grand jeu 100% Made in Maurice. Merci à nos candidats, les célébrités 100% Made in Maurice. Et à très bientôt. Bonsoir, ciao.